que nous mettions un terme définitif à cette guerre et que nous capturions le roi Jeonju. Il ne faut pas qu'il nous glisse entre les doigts à nouveau, comme il y a 6 ans. Ce serait une honte pour tout l'archipel. Nous devrons être plus rapides que la tempête lors de l'attaque. Préparez les troupes. C'est clair ? Oui, très clair, mon commandant. Cela étant dit, nous ne pouvons pas non plus permettre de laisser Konishi détrôner Joseon en premier. Je sais, je me demande pourquoi son excellence m'envoie un nouvel agent en me disant juste de patienter. Malheureusement, nous n'avons pas le choix. Nous devrons suivre ses ordres. Ohé, nous sommes de retour ! Nous sommes arrivés ! Est-ce la flotte du général Wakizaka ? Oui. Il s'agit de ses navires, commandant. Ils rentrent d'une mission de reconnaissance. Savez-vous combien ils en ont accompli, jusque-là ? Cela doit faire 3 si l'on compte l'attaque surprise d'hier soir. Monseigneur, au sujet de cet agent envoyé par son Excellence, savez-vous à qui nous allons avoir affaire ? Tout ce que je sais, c'est qu'il s'agit de quelqu'un d'essentiel à cette bataille. Une pièce maîtresse, quelqu'un qui saura prendre le dessus sur l'amiral Yi Sun-shin. L'activité est intense au sein de leur base. Ils y mouillent plus de 200 navires de guerre. Ils remplissent leurs vaisseaux de ravitaillement. Et ils volent aussi des provisions aux habitants des villages environnants. Ils coupent de façon systématique le nez à ceux qui s'opposent à eux. Et ils utilisent les enfants comme cible pour s'entraîner au tir. Selon toute vraisemblance, ils exterminent la population avant de lancer une nouvelle invasion. Est-il exact que 250 000 soldats avancent actuellement vers Jeonju ? Oui. C'est exact, amiral. Ils se vantent de ne pas craindre nos forces navales et certains, sous l'effet de l'alcool, reconnaissent qu'ils vont prendre le contrôle de notre capitale sans aucun mal. Nous ne pouvons pas laisser faire ça. Sinon, ce sera un bain de sang dans la capitale. Remettez ce message à Junsa et revenez avec son rapport, c'est compris ? Oui, à vos ordres. La partie supérieure est terminée ! La partie supérieure du navire tortue, elle est terminée ! La partie supérieure est terminée ! Hey, venez tous voir ça ! Qu'y a-t-il, chéri ? Un talisman. C'est pas la première fois que je pars en mission. Malgré tout, je ne le quitterai pas. Allez, rentre. Prends bien soin de toi, d'accord ? Thank you.
Désolé d'être intervenu. Mais en voyant ça, il m'était difficile de rester sans rien faire. C'est donc vous, l'agent que son Excellence a jugé bon de nous envoyer ? De la marine des Imé, on dirait. Toi, tu appelles ça la marine ? J'appelle plutôt ça une bande de pirates. Allez, en avant ! En avant, vous tous ! Eh bien, amiral, quand comptez-vous rejoindre les autres forces ? De quoi parlez-vous ? Voyons, amiral, il s'agit d'un ordre royal. Vous êtes censé, vos troupes et vous, rejoindre les troupes qui sont au sol, pour ainsi vous mettre sous l'autorité du général Kuan Yul. Vous insinuez que c'est ce qu'on doit faire. Je vous demande pardon. Avec tout le respect que je vous dois, l'ennemi possède plus de 200 navires. Au cas où vous l'ignoriez, de nombreux soldats désertent leur poste. Les déserteurs sont pour l'instant au nombre de 50. Oui, c'est ça. Je voudrais y voir un peu plus clair, amiral. À tout moment, notre pays risque d'être envahi par une armée possédant plus de 200 navires de guerre. Quelle stratégie comptez-vous adopter ? Ma question est simple. Que comptez-vous faire pour repousser l'envahisseur ? Je crois que tout le monde ici attend votre réponse. Avons-nous la moindre chance ? L'avons-nous ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous allez le laisser agir sans rien dire ? Écoutez, amiral. Aidez-moi à chasser le doute de mon esprit. Mis à part un navire tortue en piteux état, quel plan avez-vous en tête ? On ne s'adresse pas à son commandant sur ce ton. Comment osez-vous ? Je vous rappelle que je suis votre supérieur, d'accord ? Alors mettez-la en veilleuse ! Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Après tout, vous n'êtes rien d'autre qu'un déserteur qui a fui la bataille de Shilshun. Cette réunion est terminée. Veuillez me laisser. Non, pas question ! L'amiral vient de nous donner un ordre. Il nous a dit de sortir. La priorité devrait être de réparer les navires et de préparer les hommes. Exécution ! L'amiral Yi a une nouvelle fois refusé de suivre les ordres. Parce qu'il croit que c'est la meilleure chose à faire. S'il désobéit à nouveau à Sa Majesté, cette fois il ne sera pas pardonné. L'armée japonaise a envahi les provinces du sud. Et elle se dirige à présent vers le nord du pays, général. Si leurs forces navales venaient à atteindre la capitale par la mer du sud, quelles seraient les conséquences ? Vous comptez les en empêcher avec 12 pauvres rafios. À ce compte-là, comment ? 12 pauvres rafios vont-ils renforcer votre armée ? Évitez de jouer au plus malin. D'autre part, l'amiral n'est pas en bonne santé. Oui, c'est indéniable, mais à votre avis, c'est de la faute de qui ? Insolent. Êtes-vous au moins conscient de la situation dans laquelle nous nous trouvons ? Nous sommes assiégés, le terrible Kiyomasa et son armée s'apprêtent à passer à l'attaque.
par conséquent, nous avons besoin d'absolument toutes les forces qui sont à notre disposition. Attrapez-le ! Attrapez-le ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Tranquille ! Je vous en supplie, fournissez-nous des armes, des hommes et des munitions. Nous en aurons besoin dans ce qui va être un combat entre David et Goliath. Il y a un ordre royal, respectez-le. Vous voulez dire que vous avez l'intention d'ignorer la requête légitime de l'amiral? Osez-vous à nouveau me tenir tête? Vous avez dépassé les bornes, soldat. Garde, qu'est-ce que vous attendez? Emparez-vous de lui et enfermez-le! Mon général, ne faites pas ça! Allez! Mon général! Mon général, attendez! J'ai un dernier message à vous délivrer de la part de l'amiral! Si vous abandonnez l'océan! Quoi? Vous abandonnez Joséane! Mon général! Mon général! Allez, c'est nous! Mon général! Cela fait une demi-journée que j'attends. Trouvez-vous que ce soit une façon de traiter ces invités? Nous étions en pleine réunion, sans doute trop absorbés par la guerre. Veuillez nous pardonner. De toute façon, allons-nous entendre de notre roi des pirates comment capturer le roi de Joséon? Nous avons hâte de le découvrir. J'ai bien étudié le terrain et d'après mon enquête, le mieux serait de se mettre en route le matin à marée haute afin de passer le détroit. Nous pourrions faire embarquer les troupes de nuit et envisager de rallier la capitale en peu de temps. Nous devrions y être en une journée et demie d'après mes calculs. La théorie est une chose. Yi Sun Shin est un adversaire coriace. Il n'y a qu'une seule stratégie qui vaille, selon moi. Si nous voulons rallier la capitale et anéantir l'amiral Yi du même coup, nous devons nous y rendre en empruntant la haute mer. À votre avis, général Wakizaka, pourquoi Hideyoshi m'envoie-t-il vous conseiller? Pour qui vous prenez-vous? Nul ne prononce le nom du chancelier! J'écraserai Yi Sun Shin à l'aide de cette seule et unique main. Allez-vous autoriser Konishi à marcher sur la capitale en premier? Je crois que j'ai commis une grande erreur. Veuillez, s'il vous plaît, pardonner l'impudence dont mes hommes ont fait preuve. Et venez donc vous asseoir à mes côtés, Kurushima. Regardez, il s'agit du capitaine Bae Hong-suk. C'est lui qui commandait notre vaisseau amiral. Les sauvages lui ont coupé les nez. Les monstres. Les monstres. Allez, faites-les partir! Venez, ne restez pas!
pas là! Restez pas là! Allez, par ici! Allez! Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? C'est là au centre, non? Oui, c'est lui! C'était pour rentrer dans le désert! C'est lui! Viens lui! C'est Sangou! Regardez, c'est Sangou! Les gars, c'est lui! C'est Sangou! Oui, c'est Sangou! Oui, c'est lui! On l'a arrêté alors qu'il s'enfuyait non loin de l'île de Jindo. Je viens de perdre tous mes camarades. On se battait ensemble depuis la bataille de Shilshun, ça fait au moins 6 ans. Et aujourd'hui, vous savez ce que j'ai fait? J'ai brûlé leur tête. Oh, j'ai tellement peur. Et je sais que bientôt, ça va être mon tour. Est-ce qu'on doit tous mourir sans raison? Tu as terminé ce que tu avais à dire. Oh, oh non. La discipline est la première règle militaire. Est-ce bien compris? J'ai l'impression que maintenant on est tous foutus. L'amiral est prêt à tuer ses propres soldats. Non, on n'est pas foutus. Non. Je vais trouver un moyen. Cette zone d'étranglement du détroit, les courants sont connus pour être très violents. On dit que cet endroit est tellement piégeux que rien ne peut en ressortir vivant. C'est le bon endroit. Nous sommes d'accord pour dire que l'ennemi n'empruntera le détroit que s'il considère qu'il représente un avantage stratégique certain. Vous voyez la force de ces courants? Ils n'auront aucun mal à nous percuter de plein fouet en se laissant emporter par l'un d'eux. On ne s'en relèvera jamais. C'est pourquoi nous avons besoin d'un navire tortue. Si un navire tortue arrive à franchir leur première ligne, le reste de nos navires de guerre les détruiront en utilisant les canons. Il faut une demi-journée pour que le courant change. Le navire tortue résistera-t-il assez longtemps? Au changement de marée, la mer se calme considérablement. Entendez-vous le bruit qu'elle fait? C'est un son qui est tout à fait inhabituel. À présent, on dirait le hurlement d'un homme adulte. Le vrai danger se situe au niveau du tourbillon. Ce son, il est possible de l'entendre lors des marées hautes. Oui, lorsque la marée devient haute, un tourbillon géant se forme et on entend ce son. La prochaine marée haute aura lieu dans environ 2 jours.
moi, cela ressemble au cri de nos soldats morts à Shilshun. Le navire tortue est-il votre seul plan, père ? Le plan n'est pas le souci. Non, le souci, c'est la peur croissante parmi mes hommes. Elle se répand comme un poison. Y a-t-il un moyen de surmonter la peur ? Que doit-on faire si on n'arrive pas à la surmonter ? Décapiter nos hommes, comme vous l'avez fait ce matin, est devenue la seule solution ? Peut-on vaincre de cette manière ? Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Je peux probablement me servir de la peur. Quoi ? Vous servir de la peur ? Vengez-nous. Vengez-nous, amiral. Quelle joie de vous revoir. Quelle joie de vous revoir, Hong Su. Capitaine Choi. Capitaine Lee. Vengez-nous, amiral. Acceptez ce verre que je vous sers. Je vous en prie, acceptez-le. Je vous en prie. Où est-ce que vous allez ? Capitaine Lee ? Capitaine Choi ? Hong Su ? Pourquoi partez-vous si vite ? Je vous en prie, ne partez pas ! Restez un peu ! Père, attention ! Venez, rejoignez-moi!
Monseigneur, Général Takadora. Monseigneur, le navire tortue de Yisun Shin est en feu. Qu'est-ce que vous dites? Nous avons envoyé nos espions après avoir repéré l'incendie dans leur camp. Ils ont constaté que son navire tortue était en train de brûler sur la terre. Il s'agissait là de son dernier navire tortue, est-ce exact? Oui, tout à fait. À présent, Yisun Shin n'a plus de navire tortue. Si je lis correctement ces symboles, ils veulent dire « Ne te retourne pas, la route que nous devions prendre n'a plus aucun obstacle. » Je ne peux que saluer la puissance dans votre calligraphie pour nous indiquer le chemin à suivre. Je pense que cela devrait être la devise qui régit notre destin. Le plan d'attaque japonais pour demain matin. Ils ont prévu de prendre la mer à marée haute. La flotte comprendra plus de 300 navires de guerre. Malheureusement, l'agent que vous m'avez demandé d'examiner est quelqu'un que je ne connais pas. Il s'appelle Kurushima. On le surnomme le roi des pirates. Ses méthodes ne sont pas académiques. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont choisi le général Wakizaka pour l'assister. Vous l'avez vaincu à Hanson. J'espère que ces informations vous aideront. Je vous rejoindrai dès que j'aurai fini ma mission ici. On doit aller à Hainam. Pardon ? On ne peut pas combattre avec le détroit dans le dos. Il faut mobiliser les troupes dès que possible. Message du général Konishi.
ce que je vois, il tente de me presser à nouveau. Mon général, nous capturerons le roi avant lui, je peux vous le promettre. Nous sommes prêts à lancer l'assaut. Je trouve que ce soir, Joséon est particulièrement beau. J'aime beaucoup Joséon. Oui, beaucoup. Nous sommes prêts à partir. Nous n'avons que des prisonniers sur le pont inférieur, comme vous le vouliez. Et nous avons chargé de la poudre à canon en grande quantité. Yi Sun Shin ne survivra pas à cette bataille. Amiral Yi, je souhaite vous donner mon opinion, même si c'est au péril de ma vie. Cette bataille est suicidaire. C'est du suicide! Même si nous attirons l'ennemi dans l'étranglement du détroit, sans notre navire tortue, il semble peu probable que nous puissions gagner. S'il vous plaît, revenez sur votre décision et pensez à l'avenir. Amiral! C'est donc la lecture que vous avez de la situation. Je vous demande de me tuer si vous ne pouvez pas revenir sur votre décision. Je préfère encore mourir par votre épée. Très bien. Dans ce cas, si telle est votre opinion, capitaine, je vais vous demander de réunir au centre du campement tous les hommes. À vos ordres. Soldat, avez-vous apporté ce que je vous ai demandé? Oui, amiral! Versez. Qu'attendez-vous, soldat? Versez! À vos ordres! À vos ordres, capitaine! Allez, allez, et maintenant, allumez! À vos ordres! Que faites-vous, amiral? Qu'est-ce qui se passe? Amiral! De voir que ce qui compte le plus pour vous sont vos vies. Mourir est inévitable pour un soldat. Vous voulez savoir si nous pouvons survivre en évitant cette bataille? Vous pensez que vous serez en sécurité en vous cachant quelque part? Si je brûle cet endroit, c'est simplement pour que nous puissions mourir là-bas sur l'eau. Il n'y a aucun endroit où aller. Il n'y a aucun endroit où se cacher. Je vous le dis, ne craignez pas la mort. Si vous voulez vivre,
vous trouverez la mort. Si vous voulez mourir, vous trouverez la vie. Il y a un proverbe qui dit « Si un homme fait son devoir, il peut en vaincre des milliers. » Si je vous dis ça, c'est parce que je trouve que cela s'applique à notre situation. Voici donc le fils du capitaine Bae-Hong-Suk. Oui. C'est bien lui. C'est lui et non notre éclaireur qui a ramené le message de Junsa. Junsa l'a croisé par accident et l'a aidé à s'enfuir. Cette tunique appartenait à ton père. Elle est à toi si tu la veux. Et toi, comment t'appelles-tu ? Mon nom est Bae Subang. J'ai combattu avec ton père. Pendant de nombreuses années. Tu sais, tu peux me croire, je n'oublierai ni son nom ni le tien. Une requête à vous faire. Je t'écoute. J'aimerais faire partie de votre équipage. Je me battrai à vos côtés. D'accord, à condition que tu prennes une rame et non un sabre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est peut-être le dernier jour de ma vie. Tout ce que j'espère, c'est que ma mort ne sera pas vaine.
Très bon travail. Nous vous apportons notre aide. Je vous remercie. Votre présence me donnera de la force. Amiral. Ravi de vous revoir, Junsa. Ligne de formation. Débarrassez-vous-en.
c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce grand drapeau ? Regardez là-bas. Regardez là-bas. Il est entouré d'incapables. Même s'il le levait, je ne pense pas qu'il le suivrait. Envoyez le premier bataillon. Premier bataillon ! En avant ! Positionnez tous les canons à tribord. Positionnez tous les canons à tribord. Allez, poussez, poussez. Armeur tribord, arrêtez. Armeur bâbord, augmentez la cadence. Nade Young, Songwere, je veux que nous visions leur vaisseau de tête avec les canons et les flèches explosives. À vos ordres. Placez les canons en direction des vaisseaux de tête ennemis. Tous les archers en position ! Armés ! Préparez-vous à faire feu ! Un jour !
Yunshin concentre toutes ses attaques uniquement sur nos premières lignes. Tous nos navires aux avant-postes se percutent les uns les autres. En agissant de la sorte, ils arrivent pour l'instant à tenir leur position. J'ai l'impression que Yi attend quelque chose. Que diriez-vous d'unir toutes nos forces et d'attaquer ensemble? Non. Attendons avant d'intervenir. La peur ne choisit pas son camp. Elle peut également affecter les deux côtés. Car eux aussi ont peur de moi en raison des défaites que j'ai pu leur infliger. La peur ne choisit pas son camp. Mais comment l'installer dans le leur ? Est-ce la façon dont vous voulez utiliser la peur ? Si seulement nous connaissions le moyen de transformer la peur en courage. Envoyez le deuxième bataillon et faites-les plier. Bien. Second bataillon, en avant! Regardez ce que fait Kurushima. Il envoie des navires les uns après les autres. Il est doué pour manœuvrer en fonction de fortes marées. Je propose d'attendre de voir le résultat. Observez bien. Le courant nous est favorable, il nous fait avancer. Le moment est venu d'anéantir leur flotte. Amiral, le courant est plus fort, nous devenons moins précis. Coupez les cordes et laissez le courant nous emmener jusqu'à l'île de Sang. À vos ordres, amiral.
Seigneur, on dirait que Kuroshima est sur le point de remporter la bataille. Et que Yi Sun Shin ne va plus tenir très longtemps. Sur cette plateforme et déplacez-les sur le pont inférieur. Je compte sur vous. Nous pourrions mourir en essayant. C'est un ordre. Bien. À vos ordres, amiral. Je compte sur vous. C'est trop dangereux! Est-ce la façon dont vous utilisez la peur ? Si seulement nous connaissions le moyen de transformer la peur en courage. Nous arriverions à faire en sorte que le courage devienne contagieux. Mes pères, leur peur est si profonde. Comment pouvez-vous la transformer en courage ? Faudra que je meure. Est-ce la fin de l'amiral Yi Sun Shin ?
a-t-il une raison pour laquelle vous refusez de quitter cette île? Le courant s'est inversé et un tourbillon s'est formé dans le même temps, monseigneur. Oui, cela rend plus calme les eaux qui se trouvent aux abords de cette île. Il s'assure ainsi une plus grande stabilité. S'il reste dans cette position, aucun de nos bateaux ne parviendra à franchir le détroit. Et nous aurons perdu la bataille. Avant qu'il s'y installe de façon définitive, accélérez en direction de son navire, afin de les empêcher de se mettre en ligne de formation. À vos ordres. Amiral, c'est leur flotte principale. Maintenant, hissez le pavillon. À vos ordres, amiral. Capitaine Han, pour votre désobéissance, je devrais vous punir en conséquence. Mais puisque nous sommes en temps de guerre, vous allez continuer à vous battre jusqu'à la mort. Vous allez protéger l'île de Sang. Ai-je été clair? Oui, amiral. Nous devons atteindre le plus vite possible le centre du détroit. Bien, amiral. Mettez le cap sur le centre du détroit! L'organisation est parfaite. Je doute fort qu'ils se remettent de cette explosion massive. Cette fois, la tentative de leurre de Yi Sun-shin ne fonctionnera pas. Notre flotte continuera en direction de l'île comme vous l'avez ordonné. Amiral! Il y a un bateau étrange qui vient vers nous! Faites venir les archers! À vos ordres! Tirez! Allez, mais c'est vide.
à canon. Ce vaisseau, amiral, il est rempli de poudre à canon. Amiral, quels sont les ordres que devons-nous faire? Notre éclaireur, Lim, il est à bord. Il faut prendre une décision. Thank you.
regarder, leur flotte se rapproche rapidement. Thank you.
Rapprochez-vous d'eux plus rapidement. Ça va être difficile. Nous avons perdu le contrôle du navire. Ah. Chargez ! Feu à volonté ! Monseigneur, il faut qu'on demande des renforts. Vous ne comprenez toujours pas. Ils ne viendront pas. On doit s'en sortir seul. Vous ne pensez pas que nous devrions leur porter secours ? Amiral, je crains que le vaisseau ne soit condamné à sombrer. Thank you.
flotte entière vient nous secourir. Donnez le coup de grâce avant qu'ils se remettent en formation. Pourquoi est-ce qu'on va aussi lentement? Mon général, c'est la marée qui s'est inversée. Je sais que c'est la marée, fouettez les rameurs. Faites ce que vous voulez. Mais augmentez la cadence, il nous faut de la vitesse pour gagner cette bataille. Cadence maximale. Je répète, cadence maximale. Son plan de bataille.
bataille depuis le début. L'ennemi va entrer, regardez! Il s'enfuit! Faites demi-tour. C'est terminé, le courant est revenu à la normale. Nous avons capturé 23 Japonais ici! 17 ici! Nous avons capturé 3 officiers japonais et 9 soldats! Ils peuvent essayer autant qu'ils voudront, mais jamais ils nous envahiront, on est trop balèzes! Tiens, mange quelque chose, ça te fera du bien. Ça va aller, j'ai déjà mangé. T'as qu'à voir un coup alors, regardez un fixement dans les yeux. Et je peux vous dire qu'il a fait dans sa culotte. Il a sûrement vu que j'étais un tueur. Je me demande si nos descendants sauront un jour quel chien lit on a dû se taper. Si nos descendants célèbrent pas ça, alors ce sera de sacrés abrutis. Et regardez ça, on est bien vivants. On va pouvoir rentrer chez nous. Tu l'as dit, mon gars. Tu ne veux pas le garder pour toi? Cette nourriture est délicieuse. Soulager toute cette souffrance.